Argile à vignobles, c'est en fin de compte la rencontre de vignerons et de potiers dans un espace qui est un espace chargé d'histoire et super charmant, au pied de la cathédrale. Bonjour, monsieur. Pour ce qui est des potiers, il y a Didier Hoft, qui est donc un sartois, qui fait de la porcelaine d'art, et Patricia Rayon et Alain Gilbert, de poterie de Saint-Hubert, sartois aussi, qui eux font du grès dit utilitaire, des bols, des assiettes, des verres, des vinaigriers, des bouteilles, des plats, etc. C'est un tout autre travail, des grès alimentaires et d'un couple de potiers qui sont installés en forêt de Bercé. Pour les vignerons, on a Sébastien Corny, qui est du domaine de la Roche-Bleue, donc Janière, Coteaux-du-Loir, et puis un vin particulier, ce qui est la pétillante. Le Michel Boulet, domaine de la Tendrière, Janière, Coteaux-du-Loir rouge. Et du Sancerre, alors pourquoi du Sancerre? Parce que c'est un lien avec la terre, la terre utilisée par les potiers. Et donc c'est le domaine Girard, Fernand et fils qui présentent du Sancerre blanc et du Sancerre rouge. On peut venir donc dès maintenant, les mercredis, vendredis, samedis, dimanches, de 11h à 19h.